Oh, faudra que je revienne, bah oui, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Forêt d'Anu. J'ai envie de prendre 2 minutes pour aller récupérer quelques cordes, bombes et tout le bordel. Je pense qu'on va en avoir besoin. On va faire ça vite fait. Bon, moi j'ai plus ou moins la technique pour passer pour la prochaine fois. Ça m'aura juste pris une dizaine de game over, tout va bien. C'est génial, bon, fait, c'est grave. Il demande des sports d'Ayu. Ah, et donc, du coup, la zone d'à côté, ok. D'abord, on va se refaire un peu en corde et en bombinette et on va aller rechercher les sports pour le monsieur. J'ai combien là? 54, c'est pas beaucoup. Hein. Les livres sont gentils avec le joueur, oui, c'est vrai. Enfin, c'est tout est relatif, on va dire. Bon, allez, on va aller au truc là. Forêt d'Aïe. Allez, on y va. Ah, les mini Dark Vador! Les mini Dark Vador, ils sont de retour! Je sais plus comment ils s'appellent, mais voilà. Je me souviens d'eux. Merde. Bon, quelque chose me dit que j'ai pas assez d'allonge pour franchir un précipice comme ça. Étrangement. Luc, je suis ton père. Techniquement, il a jamais dit Luc, je suis ton père. Il a dit non. Je suis ton père. Ah, pareil. Bon, c'est un détail, mais... Voilà, quoi. Ok. On va faire de la grimpette, mon petit mammut. Ah, bien sûr, c'est normal. Non, j'ai une mauvaise expérience avec les ennemis qui sont plus bas que moi. Petite de ta sextape. Je peux rentrer là-dedans, non? Pas assez de rubis. Ah bah oui, avec 4 rubis, je vais pas pouvoir... Attends. Ah non, d'accord, parce que j'ai voulu utiliser un item. Ok, autant pour moi. J'allais dire, si tu me fais payer l'entrée, il y a un souci, hein. Merde. 3 fois de suite, hein, c'était beau. Alors. Oh, bah je crois que ce sont les sports qu'on est venu chercher, là, en bas. Bah, ça y ressemble en tout cas. Oh! Bonjour madame! Fichtre. Faudra arriver à aller en dessous. Merde. Bon, je pense que j'ai crevé comme un caca. Si je vois les. Il y a une carte, une madame et des sports, ouais. Attends. Ah bah voilà. Bonjour madame. Je te salue, princesse Zelda. Oh, cet accent. Des plumes d'Arpagos. Et tu veux des plumes d'Arpagos? Oh, faut que j'en trouve quelque part, je suppose. Ok. Au moins on essaye. On essaye. Ok. Non, saute. Voilà, enfin, grimpe plutôt, c'est mieux. Pète-y la gueule, pète-y bien la... Voilà, c'est bien. Pas mal, ça. Ça, c'est moins bien. C'est ce qu'on voudra, mais ça, c'était bien du... Wow. Oh, ça, c'était sympa. C'était sympa, ouais. Ok. Ah mais c'est que t'es tenace, cher monsieur. Saute. Ah, c'est mieux. Non. Par là, voilà.
pense avoir pris plus de dégâts que ça. Ok, donc maintenant on va essayer d'aller chercher. Non. Comment on va chercher les spores là? Putain, la dame elle avait dit, elle voulait des plumes d'Harpagos, hein, si j'ai bien entendu. Mais. Je vais avoir des ennemis qui m'attaquent au pied sans que je puisse rien leur faire. C'est vraiment des fils de flûte. Voilà. Merde. Je vais reset mes vies, hein, je m'en voudrais pas. Ah d'accord, tu peux grimper. Ouais, tu peux grimper par là aussi, ça se défend, hein. C'était pas mal là. Cette perspective. Non mais franchement cette perspective dans les jeux c'était. Ah elle est le meilleur point de ces jeux, c'est clairement la perspective, hein, la bonne dame. Et le rubber bending des ennemis volants. Non, parce que ça c'est magnifique aussi, hein. Ah. Je suis en train de me dire, en passant par là, je pourrais peut-être sniper la petite Narda, non? Attends. Ah, bien. Là, mais non, là. Bon, on a pris des dégâts. Ok. On avait dit par la gauche. Par la gauche, ce sera. Hein. Ah, d'accord, là. Non, non, lâchez-moi. Sport d'agneau, excellent. Celui est classe mauvais sur Cube sur Babou Advisor. LOL. Bon, laissez-moi deviner. Maintenant que j'ai la sport, je dois me refarcir le marais du cul. C'est ça? Bassin des fées. Ah, normalement, les fées, c'est gentil. On peut aller leur dire bonjour. Ah, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Bah, attends, bassin des fées, ça donne de la poudre de fée en théorie. Nous avons gelé la fontaine de vie. J'allais dire. Et nous avons changé le bien en mal. Si c'était les fées, elles sont moches, hein. Que les ténèbres soient. Tout à fait. Et trois sorcières, d'accord, donc c'est pas Twinrova, c'est Trinrova. Ok, bah. It's rock'n'roll, hein. Ah, ça y est. Je sais pas s'il faut un item particulier. Ah, d'accord. Ouais, pour un boss, c'est logique, non? Attends. Elle one shot, ok. Ah, si je voulais être sûr. Je voulais être sûr, d'accord, tout à fait. Je voulais être sûr, non, c'est je me disais des fois que j'ai mal vu. Elle one shot les vilaines. Très bien. C'est pas comme si j'avais de quoi arrêter les projectiles. Ok, d'accord, c'est. On va dire c'est un échange de bons procédés. One shot versus one shot. C'est juste dommage que j'ai remarqué ça. Ouais, ok, il y a peut-être. Ouais. Ça va être compliqué, je pense. Hein. Si c'est comme quand on avait fait la carte où il y avait la maison de Squalala. Attends. Merde. Ouais, j'ai voulu tenter un truc. C'est pas passé. Ah, par contre, la première qu'on a tatanée, elle est toujours morte. Ça, c'est bien. Donc, je peux techniquement, tant que j'enchaîne comme ça, les faire une par une. Ok, le trade-off me va. Caca pourri. Peut-être ne devait pas encore avoir pop à l'écran, les petites hyènes.
suppose. Je suppute même. Allez, une deuxième. Bon, on en a 2 sur 3. Et tant qu'on arrive, tant qu'on progresse, moi je m'en tape. Ah franchement, je m'en tape. Sauf après, il va falloir qu'on revienne dans le marais de ses morts là. Ah d'accord, tu me vises comme ça. Ok, d'accord. J'ai écouté, chère madame. Vous avez probablement des arguments très pertinents, hein. Je ne me permettrai pas de vous contredire dans ce contexte économique actuel, d'accord, hein. Et je me permets quand même de vous faire remarquer que taper du poing sur la corde pour monter sur le dolmen. Genre comme ça. Attends. Ah oui, forcément. Ok. Elle veut la jouer comme ça, la vilaine. Elle veut la jouer comme ça. Tant que je vais galérer. Je sens que ça va être galère. Eh, galère, galère. Merde, je pensais pouvoir esquiver. J'ai quand même l'impression qu'il y a toujours une espèce de temps de recharge entre deux attaques. Donc je pourrais en profiter justement pour grimper et aller lui dire coucou. Vas-y, fais ton attaque, toi. Non, merde! Mais fallait t'accrocher! Bruh. Niveau 8, j'en suis où? Ça va, il me reste encore une dizaine. On est pas mal. J'espère juste que ça va suffire. Ouais, bah justement, c'est ce que j'avais compris qu'elle faisait ça. Voilà. Les faits sont de retour. Bonjour mesdames. Nous sommes libres. Tu nous as sauvés. Tiens, un cœur de vie. Ouais. Lettre de fée. Tiens, de l'eau de vie. Ça c'est cool. Du coup, on a la fameuse poudre de fée pour sac à dos. Son sac à dos, faut que je retourne farmer moi. Il y a quelque chose d'autre à dire. Oh, de l'eau de vie. Mais j'ai pas de flacon, madame. Lampe d'ambiance avec une lithophanie. Je sais même pas ce que c'est qu'une lithophanie. Bon, litho, c'est pierre, donc un truc avec une pierre, d'accord. Vaisseau gobillant. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. J'ai des choses à faire ici, moi, mon bon monsieur. Déjà récupérer de la thune. Pour acheter des choses. D'ailleurs, si jamais il y a des lieux de farm plus efficaces que sac à dos, faut pas hésiter à me les recommander. Hein. Salut Ginette. Ouais, ça marche, on peut... Je pourrais jeter un oeil. Eh, hey, salut Ginette. Oh, très bien. Voilà, maintenant tu peux te faufiler et porter au monstre un coup fatal avant qu'il ne t'ait vu. Ah, et Ginette, elle s'est barrée aussi. Donc nous avons le manteau magique. Ah, d'accord. Le truc gelé qui avait popé dans l'inventaire, c'était ça, c'était le manteau pas magique. Et maintenant qu'on a la poudre de fée, ça devient un item normal. Ok. Ouais, regardez, Zelda, elle a pas payé Canal+. 20 rubis, d'accord. Ok, ouais. Enfin, faut que je farme, là, maintenant.
J'ai utilisé pas mal de mes ressources, il faudrait quand même que j'aille en récupérer. Ce serait pas mal. On s'en fout. On va retourner au marais maintenant. Vous aimez bien, tu vas... Bah, je regarderai ça. Ah, par contre, j'aimerais quand même être prudent et me refaire des stocks. Le niveau bombe, corps, tout ça, j'ai l'impression d'être un peu just avec tout ce que j'ai utilisé. Bon, au moins, on a quand même eu un cœur de plus, ça, c'est déjà ça. Enfin, Ruby, bon, dans 31 bombes, on devrait être bon, je pense. Hein. 31 bombes, pour l'instant, on devrait être bien. Je vais prendre juste ça et ça. À la limite, peut-être avoir juste de la thune pour pouvoir utiliser mes items. Parce que les items qui consomment de la thune, voilà, hein. Ouais, j'irai, on va dire 50-60 balles, ce sera pas mal. On va pas non plus farmer pendant 3 ans. Hop. Hop. On est déjà à 14. 14! Non, 15. Bon, ça, on n'a pas tant que ça, ouais. Donc, du coup, ça va plus ou moins être celui-là le plus efficace. Bon, en vrai, bah, s'il faut revenir ici pour farmer, pas de soucis, hein. Ça prendra pas beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il nous avait fallu à peu près 20-25 minutes pour faire tout ça, quoi. Et encore 21 game over, la réponse universelle 42. Ah. Oh, d'après ce qu'on m'a dit, j'y arriverai, hein. Donc, on verra bien. Combien là, 35, on peut faire encore un petit aller-retour vite fait, ça devrait suffire. Merde! Bon, je vais équiper les cordes. Non, parce que c'est génial, tout mon farm qui dégage parce que j'avais le mauvais item équipé. Ah, je suis trop fort, hein. Je suis trop un énorme caca, ouais. De l'épée, même dans Star Wars ils l'ont pas utilisé celui-là, hein. Alors le rubis à 5 pas, non je veux le rubis vert, j'ai eu le rubis vert, je l'ai eu, non je l'ai pas eu, merde, bon, je voulais pas rentrer, tant pis. De toute façon on s'en fout, Ginette elle s'est barrée. 4, ouais, non. Mais je pense qu'il faudrait au moins ce, je sais pas, 60, 70, ce serait bien. Là, je les aurais si j'avais pas fait n'importe quoi avec les items, mais bon. Encore une fois, vous savez de qui on parle, hein. Ah là là là. Allez. Dernier aller-retour et on retourne au marais. Promis, je fais pas ça pour esquiver le marais. Je sais qu'il faut que j'aille à un moment donné, donc bon. Et puis techniquement, on y va en ayant deux choses qu'on n'avait pas la première fois. Une connaissance relative de la zone, je veux dire qu'on est connaissance relative de la zone, c'est complètement faux, et un cœur de plus. Et techniquement, deux droits à l'erreur supplémentaire. Ça fera la différence. À Saint-Paul le Marais. Si c'est là où il y a le Marais de Paris, probablement. J'avoue ne pas bien connaître les environs parisiens. Ok, bien. On a combien là? Nice! Nice! Marais de Paris, le simple. D'accord, ouais. Ah, franchement, c'était pas mal. Quand même, c'était mieux là. Bon, bah, du coup, on va se barrer de là, hein. Je pense qu'on a assez. Notre tour, je sais pas, 75, 74. Ce sera très bien. Ah, c'était pas mal là, bourrin. Bon. Faut qu'on retourne là, paraît-il. Avant ça. On sauvegarde Atus.
Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. On arrive bientôt à la moitié de... Ah bah ça va. Ça va, tranquillou. On doit être à peu près 35-40%, je dirais. Quelque chose comme ça. Ah bah c'est bien ça. On a fait donc un bon tiers du jeu en... Ouais, à peu près deux... en un peu moins de 2 heures. Ouais, sur une longueur à peu près conforme à ce qu'on avait eu sur, sur Faces of Evil, c'est bien. Ok, moi je passe à la technique. Baston. Et yo Hulk, comment que c'est? C'est la musique de choix de niveau dans, dans certains... Ah bah, ah mais la musique de choix de niveau là-dedans, elle se pose là, franchement, elle est bien. Hein. C'est sûr, ça vaut pas celle de Faces of Evil, mais elle est déjà très très bien, cette musique. Et là, c'est pas mal. Excellent. Et j'entends ce bruit, je sais que ça a eu l'effet escompté. Ah, merde, merde, merde. Ok. Tranquille. On va attendre tranquillement à base de tranquillade. On va attendre Jean Castex. Je viens de faire les marées first try ou je viens de pas faire les marées first try, là, les pimpons? Tu es de retour. Donne-moi ton gant. Ne t'inquiète pas. Tiens. Un gant de pouvoir? Super. Nice, un grand pouvoir. Bim. Ah ça, je sauvegarde tout de suite. Hein. Ah, je propose qu'on s'ambiance 3 secondes pour fêter ça. Demain c'est ton anniv. Ah bah repasse sur le stream de demain, ce sera un bon anniv. Alors donc on a accès au vaisseau Godian. Le lac on l'a toujours pas fait, donc je pense qu'on doit pas être équipé. Ah oui, la tour on l'avait pas fait à fond, c'est vrai. Vous savez quoi? Je vous propose un peu de... Alors, on est d'accord que là on peut faire les trois. Si on peut faire les trois, bah, j'ai envie de proposer un peu de démocratie participative et faire un Stropol. De toute façon, je sais qu'il faut qu'on fasse les trois, donc... Pas le lac. Bon, bah, ouais. Alors, bougez pas, j'y s'occupe de tout. On avait dit la tour ou le vaisseau. J'ai séché de ouf, c'est-à-dire... Quand tu dis séché, tu veux dire quoi? Le guide ou un truc ou autre chose? Allez, zou! Un peu de démocratie participative. Physique, bah, c'est pas impossible qu'il y ait un peu de séchage. Ouais, j'aimerais, en fait, j'aimerais pas savoir ce que t'entends par sécher sa vie. J'ai entendu fondu, ok, là je comprends. Mais ah oui, bah. J'en suis à 4, un peu plus de 86 kilos, 86, je sais plus combien. Ah, d'accord, ok. Donc, en attendant. Je veux afficher les résultats. J'étais à combien? Bah quand j'étais vraiment très très lourd, à mon plus lourd, j'étais à 123. Donc ouais, j'ai perdu un tout petit peu. Et yo Uranium, ouais t'as raté la première moitié du stream en gros. Ah bah ouais, franchement ça défouraille, franchement ça défouraille du pimpon, hein.
Ouais, bah c'est ça, bah hey, tu rigoles, mais il y a à peu près 2 mois, j'ai acheté des haltères pour commencer un peu, hein. J'essaie d'en faire un peu régulièrement. Bon, après, c'est pas des beaux officiels parce que forcément, niveau force... voilà, je pense que tu me connais, hein. Ah, le monsieur, il a voté. Alors, ouais, bah du coup j'ai très peur. En plus, c'est vrai que avec ce que t'as fait, toi tu t'y connais pas mal au niveau exotus. Alors, juste pour info, nous sommes 10 dans le chat. Vous enlevez Nightbot et moi, ça veut dire que nous sommes 8 à pouvoir voter. Il y a 3 personnes qui n'ont pas fait entendre leur voix, qui ne font pas de démocratie participative. Voilà, t'as quelques bases, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, franchement, elle est cool la musique, hein. Bon, Yves dans l'univers, elle est pas ouf, mais... Enfin, par rapport à un jeu de trouver des petits éléments Zelda, ça jure un peu, mais on s'en bat les couilles, en fait. Voilà, attends. On est 9, je vois 7 votes. Ça veut dire, là, je vois que tout le monde a voté. Et ben, pour une fois, et pas pour une fois, là, je vais finir mes feux secs. Eh bien, c'est la tour qui l'emporte, mesdames et messieurs les gens. Allez, direction la tour. C'est parti. Ah, c'est reparti, du coup. Ah, le vaisseau, on ira après, de toute façon. C'est pas perdu. C'est... Mais... Hein. Non, je suis en train de me dire... une petite bombillette, ce serait pas mal là pour les mains. Merde! Forcément. T'appuies sur la tour d'action quand t'es à côté de la porte, le jeu va te dire hey, « Hé, tu veux sortir? Pas de soucis, poteau !» Elle est grande cette porte, mine de rien. Putain, deux fois que je fais la même connerie. Énorme blague. Ouais, pas sûr que ça passe. On va tester. Ouais, je me doutais que ça passerait pas. Ou une corde vers la gauche, ça marche aussi, oui. T'es sûr que ça va bien? Bah, oui. Pourquoi ça n'irait pas? Tu as le droit de... Attends. Ah, c'est bon. Non, vous ne m'aurez pas, cher monsieur. Ah, d'accord. Bon, d'accord. C'est des arguments aussi pertinents. D'accord, ok. Pas la peine d'être aussi agressif. Est-ce que je suis agressif, moi? Et puis là, tu mets un clip du moment où j'ai ragé dans le marché. Dans le marché. Dans le marais. Saloperie. Saute. C'est bien ça, c'est bien. À sortir de la... Merde, mauvais item. Elles sont invincibles. C'est pas drôle si... Mais... Voilà, c'était juste ça que je... Attends. M'en voudrais pas, mais je vais passer par au-dessus les enfants. Oh, un rubis vert. Ah merde! Attends, j'ai réussi à la toucher! Ah oui, non, en fait, elle m'esquive, la vilaine. Non, c'est pas des armos, ça c'est. Ah, c'est pas impossible que ce soit des armos, ouais! C'est pas impossible que ça en soit. Ah, d'accord, ok. Ce sont les plateformes ici. Nice. Ok. Tu oses me défier? Ça, c'est un Iron Knuckle. Tu vas mourir. Devine encore, Iron Knuckle. Ok. Il faudrait pas genre lui balancer genre... J'ai envie de tester le backstab sur lui. Vas-y. J'ai envie de tester le backstab sur lui.
Merde! Je voulais tester le backstab, ça avait l'air bien. Attends. Ah, le gant de pouvoir, d'accord. Okay. Eh, par contre, au niveau... Attends, niveau corde, je suis limite. Faut que je vais en reprendre 2 ou 3 vite fait. Je suis un peu limite. Bon, je vais pas m'embêter, je prends juste ça. Ah, le gant du bourrin. D'accord, on fait ça. Je vais reprendre pour 30 balles de corps, ça devrait suffire. Avant d'oublier. Something, something, la perte de vos données. Hop là. Alors, on va équiper des cordes, voilà. On va surtout éviter de faire n'importe quoi quand on rentrera dans la tour, ça serait cool. Saleté, va. Aïe. Ça pique quand même. Le open gate de vos données. Mais le problème, c'est que je sens que je vais prendre cher ici. Attends. Pas moyen de passer par l'échelle qui est là. Et le réflexe qu'il faut avoir pour passer ici, c'est quelque chose. Hein. Le truc, c'est de full corde. Ouais. Ça paraît legit. C'est ça. Coucou, tu veux voir ma main? Attends. Ah, ouais, d'accord. Oui, d'accord, là, je vois mieux, ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Oh, ça va. Et là, on remet une corde. Logique. Alors, je sens que... Non, c'est bon. Allez, gant de pouvoir time. Donc en gros, j'arrive sur lui, j'utilise le gant de pouvoir et c'est bon, si j'ai bien compris. Tu vas mourir. Ouais, c'est ça. Iron Knuckle. Ta gueule. Je l'ai eu. Ah, c'était pas mal là. Dépêchons-nous, filons. Bye bye les Armos. Ah, oh, cool, un cœur supplémentaire. Ah, ça fait zizir. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Ah, quelle honte. Votre grâce, auriez-vous l'extrême bonté de me délivrer de ces chaînes qui me retiennent? Mère Cravendy, d'accord. Ah, ça y est, il s'est barré. J'ai pas vu la cinématique, mais il s'est barré. Donc, normalement, on a fini. Alors, par contre, j'ai pas vu où il est. J'ai pas l'info de où il est parti. Donc, là, je la veux bien, l'info. Grotte de Dordung. Je connais les grottes de Dordogne, mais c'est pas pareil. On a le lac, les grottes et le vaisseau. Il retourne à sac à dos dans la mairie. Ah, d'accord, c'est lui. J'ai envie d'aller lui dire bonjour pour voir s'il a une récompense pour nous. Oh, un petit clip. Merci l'ami. J'irai voir ça à la fin du live. Alors, je préfère le préciser au cas où. Au cas où, c'est pas comme dans la Stream Sanity plus tôt dans l'année. Là, à 19h, on s'arrête. De toute façon, j'ai le jeu de rôle à 20h, il faut que je bouffe entre-temps. Donc... Oh, on m'appelle Bepou. Le fail. Je vais pas dire les si parce qu'au moment où je dis ça, je peux me prendre des coups et c'est pas génial. Ouais, la mairie c'était ici. C'était le premier bâtiment sur la droite.
Ouais, bah déjà celle de la semaine dernière était bien rigolole. Ah mais il est pas là en fait le monsieur. D'accord, bah... Merde, utilisez mon pouvoir. Ah oui, d'accord, il a fait comme Ginette, il s'est barré. Bon bah il a fait comme Ginette et qu'il s'est barré. Hein. Bah là, écoutez, hein. Si ce monsieur ne sert à rien, il sert à rien, écoutez, hein. C'est ça, il est en mode, je me tire. Ah là là, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Faut que j'enlève le gant de pouvoir de l'item équipé, ça pourrait être bien. Racheter des cordes pourrait être utile. Genre, on va s'en prendre pour 20 balles. Allez hop. Ah merde, je pensais que j'avais 62 rubis, non, j'en ai que 61. Alors, dans les zones qui nous restent, on a le vaisseau. Ouais, j'allais dire, je pense qu'on va aller au vaisseau Goupillon. En tout cas, on va là-dedans. C'est vrai que les zones sont beaucoup plus organiques par rapport à Faces of Evil. C'est un progrès, mine de rien. Oh, le Zora, il fait toujours aussi mal, le Zora. Hein, pour savoir si je dois m'attendre à me faire fister toutes les 3 secondes. Alors que le jeu est sorti avant, c'est très fort. Hein. Ah non, ça va. Tu fais moins mal, toi. C'est bien. T'es plus sympa. Bah, t'es plus sympa que celui qui garde la maison de Squadala. Hein. Non, parce que celui qui gardait la maison de Squadala dans Faces of Evil, c'était un peu un énorme pimpon. Le mec, il te touchote. Ramenez Zelda à la maison. Voilà, c'est les Zelda qui doit ramener Link à la maison, hein. Ok, la plateforme s'arrête ici. Il a quand même fallu 2 vies pour le comprendre. Hein. Je voudrais pas dire, mais mon oreille gauche apprécie beaucoup la musique. L'oreille droite, elle apprécie les piou-piou. Ah ben, ça, le game over, il est fort probable. On va rester là. Faut que j'aille sur les crocos, mais... C'est bon. Ah merde, j'ai pas eu le bon. Ok, faut que je chope le suivant. Merde! Oh, la perspective! Bon, pas la perspective, j'ai peut-être dû sauter trop tôt. Pas grave. Dire maintenant que j'ai passé le marais de ses morts... Ça va. Ça va. Attention, je pense qu'elle est retombée un petit peu. Les crocodiles entre. Ah, bien! Pas mal! Pas mal! Bonne vanne! Les crocos sont dans la mer, ouais. Ils sont pas censés y être, c'est ça? Oh, nice! J'y suis. Allez, entrons. On va pas pouvoir utiliser des cordes pour passer. Oh, des guinis, salut! Ah, des salfos, des guinis verts. Comment allez-vous? Hop. Hop. Il y avait un espace. D'accord. Je suis pas tout à fait d'accord, mais on va dire que. On va dire que. Que voilà, c'est pas moi qui ai développé le jeu, donc je ferme ma grande gueule. Regarde un peu s'il y a des choses intéressantes. Oh, les rubis verts, ça m'intéresse. Donc, je pense qu'il faut atteindre la porte métallique de l'autre côté. Ça paraît logique. Je vais mettre dans l'eau ou sur terre. Ah merde.